Bonjour les amis, alors aujourd'hui on se retrouve avec le groupe Le Monde Dilmic et malheureusement pour nous, Cédric nous a emmené chez Derif Store. Donc là, les cartes bleues vont chauffer. Pas la mienne. Je vous dirai après le montant. On va rentrer à pied, on n'aura plus d'essence pour rentrer en Bretagne. Donc voilà. Bah écoutez, je vais filmer et je vous ferai la petite visite de l'intérieur. Mais on voit déjà, je ne sais pas si vous voyez, on voit déjà un petit peu toutes les pièces. On va acheter. Qu'on va acheter. Ça donne des frissons. Et c'est assez marrant parce que du coup, on regarde les pièces et on voit toutes les pièces que Samuel a présentées sur sa chaîne. Donc voilà. Bah écoutez, on se retrouve à l'intérieur. Oh mon Dieu. Il s'est pas passé devant. Moi je veux une photo avec Iron Man. Voilà. Alors déjà je ne sais pas s'il est venu là, mais il a déjà. Oh, c'est magnifique. Ghost Rider. Non, Jérôme. Pas ça, chérie. Non, mais non, pas celle-là, mon cœur. Pas celle-là. Allez, avance, chérie. Oh, il y a Hulk. Il y a Hulk. Il y a deux. Oh là là, Spider-Man, elle est vraiment réaliste. Thanos. Attends. Oh, il est super. Donc là, vous avez le bus de Venom, Pepper, Iron Man, Loki. Ah, oh, il est magnifique, Loki. Et vous avez le Joker, bien évidemment. T'as appelé ta femme, Dorcas ? Non, je l'ai dit. J'ai dit juste qu'on allait visiter Strasbourg. Tu m'attaches le nom. C'est bon, j'ai les mains attachées dans le dos, ça va. Tout va bien. Regardez les têtes décomposées. En décomposition, là. Donc voilà, on est chez des restaurants comme vous avez pu voir et je vais vous montrer un petit peu toutes les allées, tout ce qu'il y a à voir, à découvrir. Mais je suis quand même Jérôme pour éviter qu'il fasse trop chauffer la carte bleue quand même.
Bon alors chérie. J'ai pas craqué encore. T'as pas craqué encore? Non, tu veux pas que j'achète les figurines de... Bah non, parce que je te suis, c'est surtout pour ça, quoi. T'as pas pris le caddie ou le panier? Et donc voilà, on découvre les alliés. Alors désolé si c'est pas droit, mais j'ai pas de stabilisateur. Oh, Pac-Man. Oh. Alors moi je suis fan du jeu Spyro. Et il y a ma figurine qui est là. Regardez ce qu'il m'a trouvé. Halloween. Ah, elle est super. Qui c'est qui va craquer? Michael Myers. Hein? Oh là là, j'adore. Oh, tu sais que je t'aime, chérie. Là, vous avez de la partie spéciale. Comment ça se fait que tu as plus la figurine de Michael Myers dans les mains? Ah si, ça, t'avais droit. Ça, t'avais droit. Tout ce qui concerne le Seigneur des Anneaux. Super. Voilà, alors on se retrouve dans mon coin à moi. C'est tout ce que j'aime, tout ce que j'adore. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est vraiment mon allée à moi. Voilà, on va passer devant les merveilles que Samuel a présentées sur sa chaîne. Vous allez vraiment voir les merveilles qu'il y a chez Derrick Store. Oh, y a Mickey. Elle est jolie celle-là. Elle est super jolie. Et le prix, quoi, c'est excessif tout ça. Alors, on est à 250 euros en résine et 8 kilos.
Bien joué. Vous avez la superbe Lara Croft. Ensuite, vous ne passerez pas. Super belle. C'est qui un peu, tu vois. Attends, je suis pas assez drôle. Tu vois, quand on fait des trucs comme ça, c'était bizarre. C'est sûr. Oh là là. Et on regarde la tuerie. Je suis totalement fan de celle-là. Regarde. La tuerie, tu m'étais. T'es la jambe coupée, la main, le bras. Oh là 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 là. C'est bien voir. Derrière, vous voyez le personnage qui a perdu son bras. Le petit détail est complètement déchiqueté. Et donc celle-là, elle est à quelque chose qu'on ne prendra pas. 35 kilos, 1090 euros et en résine, bien évidemment. Quand vous voyez les détails, franchement, moi je trouve que le prix n'est pas déconnant du tout. Les détails avec les flèches, on est à 2200. Oui, c'est flèche. Hop. Franchement, elle est superbe. Vous voyez les crocs avec tout le sang dedans. Elle est magnifique, absolument magnifique. Ah, c'est son cri. J'adore. Je connais pas trop le personnage, mais il est super. Vous avez le Joker. Elle est super belle. Super. Et ensuite, vous avez celle où Benoît a littéralement craqué, je suis sûre. The Mandalorian. Et pas de bol, Benoît, elle est déjà réservée. Peut-être, peut-être. Il va falloir qu'on lui demande. Bon, moi j'ai demandé, c'est là. C'est une blague. Donc voilà, sur laquelle Jérôme a craqué. J'ai un peu prendre la bande. Oui, mais non, tu peux pas. Par contre, moi j'aimerais bien savoir que tu me dises le prix, mon chien. Ils ne disent pas comment ils ça disent pas. Ah, elle est super belle. Benoît ? Benoît ? On vient de voir que la figurine du Mandalorian, là-bas à l'entrée, est réservée. Est-ce que tu allais vous ? Ou est-ce que c'est toi qui l'as réservée ? On se demandait à l'échéance. J'ai plus de voix. C'est horrible. C'est horrible. J'essaie de négocier. Regardez son air désespéré. Et vous... Oh, chouchou. N'oublions des pas. Qui est immense. Je ne vais pas vous les détailler, hein, mais pas vu.
Il y en a énormément, c'est impressionnant. Donc voilà, là vous avez mon parrain, le homme de Jimmy, qui est en train de faire son live en même temps dans le magasin. Donc là, Jérôme vient de m'acheter Halloween. C'est mon cadeau. Oui, c'est mon cadeau. C'est pour moi. Michael Myers, je suis totalement fan. Merci mon loulou. Attends, je peux passer en caisse ou pas? Ok, c'est bon. C'est bon. Et là, vous voyez mon parrain qui est en train de tout filmer. Comme ça, ça lui évite de sortir sa carte bleue aussi. Ah, on a Nathan. Nathan, tu as craqué sur quoi, mon loulou? Oula, j'ai pris le soldat d'hiver. Le soldat d'hiver est superbe. Oula, Dr. Strange. Ouais. Et Falcon et Captain America. Et voilà, la deuxième victime et voilà. De Deristore. Et voilà, donc on a Clément qui tient bien sans la lâcher, Daenerys. Il ne veut plus la lâcher maintenant, je ne sais pas si... Je vais dormir avec. Obligé, bah, obligé. Tu m'étonnes. Bon, et toi, Cédric? C'est un choix pour Star Wars. Ah, pour moi? Non. De ce côté de Cédric, il n'y aura pas de réserve. Victime. Je suis sur la réserve. T'es sur la réserve? Et donc, voilà, on passe à la caisse. Donc, je vous présenterai, bien sûr, sur la chaîne, évidemment, tout ce qu'on a acheté. Ceci. Allez, on recommence les enfants. Donc c'est quoi cette bip? C'est une boule du dragon. Ouais. C'est la 4 étoiles, donc c'est celle du grand-père de Son Goku. Et c'est de là que tout Dragon Ball est parti. Et c'est de là qu'est parti Dragon Ball, effectivement. D'accord, parce que moi je connais pas du tout Dragon Ball. Bulma est arrivée pour... parce qu'elle avait son détecteur de dragon, voilà. Dragon Ball. Elle est arrivée voir Son Goku parce qu'elle avait détecté sa Dragon Ball. Et lui, il ne voulait pas quitter la boule de son parrain, de son grand-père. Son père. Et du coup, il est parti avec elle, Son Goku. Et voilà. C'est le début de Dragon Ball. Voilà. D'accord. Tout est parti de par de cette boule. Eh ouais. Eh ben, merci les garçons. On s'en fout. Et comme on peut voir, je craque pas du tout. Non. Donc il y a Elmic, après qu'il ait fini de faire son live, le monde d'Elmic, et ben voilà, il revient les bras chargés aussi, ça va faire mal. T'es content, mon chouchou? Bah ouais, parce que s'il y a un truc à prendre, c'est ça. C'est voilà. Ça. Donc c'est les figurines, non? C'est la quatrième boule, donc la boule numéro 4. Celle-là, elle est pour toi. Oh, merci. Pour te remercier du super week-end qu'on a passé. Merci. De tout ce merci. Que tu as organisé pour nous. Voilà. Notre quatrième victime. Toi, tu quittes ce rayon. Donc ça, c'est notre quatrième victime, c'est Benoît. Non. Donc Benoît, tu as acheté quoi? Un speeder. Un speeder bike. Oh là 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 là. Il était tellement déçu que le Mandalorian à l'entrée soit réservé. Et comme c'est pas lui qui l'a réservé, il se console. Mais vous voyez... Et si c'est Samuel, ça va chier. Mais vous voyez, il reste quand même dans le rayon Star Wars. On va pas le déloger de là pendant un moment. Non. Et voilà toutes les victimes réunies avec la carte bleue de Clément qui est sortie. Et Mick qui a un grand sourire aux lèvres comme les enfants. Et Torcan qui a acheté un One Piece, je crois.
C'est pour Mini Torcan, c'est mignon. Donc voilà, on est sorti de chez Derive Store. Donc je vais vous montrer leur tête dès qu'ils vont sortir, parce que tout le monde a dépensé quand même pas mal. Donc je vous montre ça dès qu'ils sortent. A tout de suite. Et voilà la sortie avec les cartes bancaires. Bonjour. Les gros craquages. Bon, ça va, ils ont pas trop des dettes de déprimer, même s'ils ont dépensé tout leur salaire là. Alors, il y a des femmes qui vont faire les magasins. C'est pire que les femmes qui vont faire les magasins. Ouais, ouais. Mais c'est tellement bon. Je sais pas s'il faut remercier quelqu'un dans l'histoire. Et on fait un grand merci à qui? Merci Samuel. Merci Samuel. Merci Samuel.